en direct du Salon de la Femme à Gatineau. C'est où? C'est le Hilton du Lac Lemay. Bonjour, bon dimanche. Jour 26 de mon défi. Il va en rester 5. Ça va être il va en rester juste 5 après aujourd'hui. Et puis là, avant de commencer, je parlais avec des personnes qui étaient autour, puis je leur expliquais ce que je faisais. Allô, Sheila! Je leur expliquais ce que je faisais, puis ils trouvent ça un petit peu comique que je vais juste décider de rire. Alors, juste pour expliquer à la personne qui est à côté de moi, ce que je fais finalement, c'est rire intentionnellement pendant 5 minutes, pendant 31 jours. Et peu importe que je ris pour vrai ou que je fasse comme si c'était drôle, mon corps ne fait pas la différence. Mais ce qui se produit, c'est que quand je commence à faire semblant de rire, puis je m'entends faire semblant, je trouve ça drôle, le 3 quarts du temps, c'est ça qui me fait rire. Donc, on est prêt pour notre 5 minutes? Non. Je ne sais pas qui est avec moi aujourd'hui. Je démarre, on part, on y va. Je pense que je fais pas trop parce que je regarde et je ris. C'est quoi ton nom? Christopher. Bon, ben. Bonbon. Ça complique les choses. Ça fait trop de salive.
J'espère que vous l'avez entendu. Ils sortiennent en arrière. Je crois qu'il y a une seule personne. Il faudrait que je vous montre avant de fermer le direct aujourd'hui. Je vous montrerai où j'étais installée. Puis vous allez voir que les gens circulent. Vraiment. Pimer les polices. Bon, je vous disais que hier, la journée, j'avais peut-être plus l'humeur à autre chose qu'à rire. Le reste de la journée, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que le reste de la journée, j'ai simplement accueilli ce qui se présentait. J'ai pas cherché à absolument être de bonne humeur pour le reste de la journée. Quoique je l'ai été certainement un peu plus. Mais tout de suite après avoir ri, j'avoue que j'avais l'expression qu'on dit ici au Québec, c'est j'avais le mouton. J'avais le goût de pleurer un peu. C'est pas resté. C'est passé. J'ai accueilli. J'ai laissé deux, trois larmes couler. Puis après, je me suis dit, bon, pourquoi tu pleures? Je sais pas. Très bien. C'est passé. C'est fini. Parfait. Bon, mais je suis prête pour donner ma conférence cet après-midi. J'ai des couleurs amplement. Allez, je vous souhaite une belle fin de journée. Et voici. Je reste pas longtemps parce que les gens n'ont pas donné la permission. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. On se retrouve demain, midi pile, pour le 5e jour du décompte. Et après ça, je pense que je vais aller le faire sur la page de l'École du yoga du rire. Donc, la page Facebook de l'École du yoga du rire. On se retrouvera pour rire. Et n'oubliez pas de me dire comment vous vous sentez. Si vous commencez à rire un petit peu plus après 26 journées de pratique quotidienne, comment ça change quelque chose, si ça change quelque chose pour vous et comment ça se passe. Bonne journée tout le monde. Bisous aux personnes qui ont été là en direct avec moi. Je vous souhaite une belle fin de journée. Hey, bon dimanche. Bye. À demain.